Comment geler des smarts pour obtenir de l'énergie et de la bandwidth? Chaque réseau blockchain applique des frais de transaction. Cependant, la blockchain smart vous permet d'économiser sur les frais en utilisant des smarts, vous évitant ainsi de payer la blockchain pour les transactions. Pour ce faire, vous devez faire le staking de vos smarts, ou en d'autres termes, les geler. Le staking sur la blockchain smart est un processus dans lequel les utilisateurs gèlent leurs tokens smart pour soutenir le réseau et en retour obtenir des ressources essentielles, la bande passante, bandwidth, et l'énergie, energy. Ces ressources sont nécessaires pour effectuer des transactions avec des smart contracts et toutes les autres transactions au sein du réseau. Pour économiser, il vous suffit de geler entre 50 000 et 100 000 smart pour obtenir de l'énergie et entre 5 000 et 10 000 smart pour obtenir de la bande passante. Cela vous permettra de réaliser des transactions avec des smart contracts et d'autres transactions sur la blockchain smart gratuitement. Dans ce guide, nous vous expliquerons comment geler des smarts pour obtenir de l'énergie. Avant de commencer, nous vous recommandons, si vous prévoyez de participer activement à des opérations de splitting, de conserver jusqu'à 10 000 smarts non gelés sur votre solde. Ouvrez votre portefeuille smart, accédez à l'écran des tokens smart, cliquez sur le widget de gel. Sur l'écran qui s'ouvre, appuyez sur le bouton « Geler ». Ensuite, entrez la quantité de smart que vous souhaitez geler et sélectionnez la ressource que vous souhaitez obtenir, énergie ou bandwidth, la bande passante. La bande passante dans la blockchain smart est une ressource nécessaire pour absolument toutes les transactions sur le réseau. Lors du paiement des transactions en bandwidth, il n'y a pas besoin de payer les frais en smart. L'énergie dans la blockchain smart est une ressource utilisée pour toutes les actions liées au smart contract, le splitting, transactions de splitting, token ultima, etc. L'énergie est comme le carburant pour faire fonctionner les smart contracts. Choisissons l'énergie pour rendre les transactions de splitting gratuites, puis cliquez sur le bouton « Continuer ». Ensuite, confirmez la transaction de gel. Si tout a été fait correctement, vous verrez une confirmation indiquant que les tokens ont été gelés avec succès. Les tokens gelés s'afficheront sur l'écran smart. Veuillez noter que le dégel des smarts pour l'énergie, energy, et la bande passante, bandwidth, est disponible après 14 jours.